Parmi ces bombages menaçants figurent les noms de famille de trois surveillants de la prison de Borgo, un couple et une femme, cadres dans l'administration pénitentiaire. Des actes qui soulignent un peu plus le contexte de violence. Déjà dans la nuit de samedi à dimanche, trois véhicules appartenant au couple de surveillants incriminés dans les tags ont été incendiés devant leur domicile. Le 8 juillet dernier, trois voitures appartenant à d'autres surveillants ont été retrouvées calcinées sur le parking de la prison de Borgo. Ce matin, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a envoyé un de ses adjoints. Mot d'ordre, no comment. Je viens essentiellement rencontrer le personnel de l'établissement qui est, vous l'imaginez, un peu ébranlé par des événements récents. Et voilà. Il y a une escalade de violence. On va faire le point déjà et puis je vais me faire ma propre idée. Voilà. Le climat de tension qui règne au sein de l'établissement pénitentiaire est loin de s'apaiser, comme le prouve cette lettre anonyme écrite par des détenus. En quelques lignes sont évoquées, je cite, « des pressions permanentes de la direction ». Les auteurs de cette lettre ajoutent « nous espérons que les individus qui usent excessivement de leur autorité seront mis de côté. Pour nous, la violence est l'ultime recours ». Des accusations que le personnel pénitentiaire ne comprend pas. De notre travail, de notre quotidien, on est amené à faire des tâches alors sécuritaires, en l'occurrence comme des fouilles. Donc comment on perçoit la chose? Est-ce que si on fait une fouille, on trouve quelque chose parce que c'est dans le cadre de notre travail? Est-ce qu'on sera la prochaine cible? C'est ça qui crée la tension. Aujourd'hui, nous, c'est pas ça que nous voulons. Nous, on veut juste que ça s'arrête, tout simplement, et qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. Cette guerre ouverte entre certains détenus et des surveillants a pour origine des fouilles. Des téléphones portables, d'autres objets et matières illicites ont été saisis il y a 3 semaines. Concernant ces actes de violence, les investigations menées par la section de recherche de la gendarmerie sont toujours en cours. Les surveillants de la prison de Borgo attendent un signe fort de leur administration.